Bonjour, c'est Martin Bonheur, nous sommes à Bréden, au Twins Club, qui nous prête ses cuisines. Et aujourd'hui, on va parler de filet de barbu. Avant de s'occuper des filets de barbu, on va s'occuper de la patate douce. Alors, beaucoup de gens connaissent la patate douce, hein, une espèce de grosse pomme de terre, chair orange. On va retirer la peau, qui est quand même relativement fine, et à la mandoline. Puisque je vous parle de la panne aujourd'hui, j'ai photographié quelques souvenirs de l'esplanade, car c'est par là qu'on arrive en tram quand on se dirige vers la plage. À voir la statue du roi Léopold Ier, car c'est par là qu'il est entré en Belgique le 17 juillet 1831, escorté par la cavalerie française. Maintenant que notre huile est chaude, on va s'occuper de frire notre curry, notre pâte de curry. Une fois la pâte de curry frite pendant 2 à 3 minutes à feu moyen, on va verser notre lait de coco. On va laisser mijoter 5 minutes de temps de bien infuser le curry. On va bien sûr quand même assaisonner, alors pas de poivre bien sûr, uniquement du sel. On va prendre nos fines tranches de patates douces. On va simplement les disposer dans le fond du plat. On va faire bouillir la sauce, donc une belle ébullition. On voit l'ébullition ici et on verse sur nos patates douces. Voilà. Il ne reste plus qu'à enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés. On va s'occuper des filets de barbu. On va simplement les inciser dans la moitié de l'épaisseur, hein, pour pouvoir, un, accélérer la cuisson et deux, qu'ils restent bien à plat dans notre préparation. Une autre photo de ma découverte, c'est l'une des plus larges plages du royaume. On se faufile entre les parasols et on arrive à un monument beaufort, les Drie Weisnesen van de Pan. Il paraît qu'on y murmure quelque chose. Les patates douces sont pratiquement cuites, mais pour terminer la cuisson, on va y ajouter les filets de barbu que l'on a incisés dessus. Regardez, prenez les filets de barbu, vous les déposez sur le dessus, tout petit filet comme ça, à peine. L'huile d'olive. Alors bien sûr, je me suis beaucoup baladé sur la plage, dans le quartier du Mont, dans les dunes, ou par beau temps, derrière les clôtures sécurisées, on peut apercevoir des bovins, les Highlands écossais. Maintenant, les gratins de légumes et poissons n'ont plus de secret pour vous. Et n'oubliez pas, cuisson séparée à la fois des légumes et du poisson pour que les deux aient une cuisson parfaite. Les légumes, bien sûr, et les magnifiques poissons de la mer du Nord. Moi, j'attends des photos. Mais alors, des photos de vos réalisations culinaires, mais aussi de vos photos de voyage en week-end à la côte, à nous partager ensemble sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram de Martin Bonheur, bien sûr. À très bientôt.